Hello, hello, bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Merci de mettre un petit mot dans les chats. Si vous m'entendez bien, ça aurait été avec plaisir de faire une petite introduction musicale. La dernière fois que j'ai fait ça, notre ami YouTube n'a pas trop apprécié les droits d'auteur. Hello, hello, est-ce que vous m'entendez bien? Super, James. James a été le plus rapide à répondre dans les chats. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine. Bonjour à tous. Bonjour Lucie, bonjour Brian, bonjour Grégory. Bonjour à Razor. Toujours là à m'envoyer des petits messages sur Snap, Razor. Loud and clear. Hello Charles-Henri. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous n'avez pas fait de all-in, que vous êtes toujours vivant avec votre compte. Bon, je voulais faire un petit live gentil, tranquille sur YouTube. Et puis, il y a les amis là qui ont fait des pubs sur Snap. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'était pas prévu. Mais bon, c'est cool. Ça fait plaisir le soutien en tout cas. La famille. Oh yes. Salut William. Ouais, Matic. Un petit regret sur Matic d'avoir fermé un peu trop tôt. Et bon, après ça, la boule de cristal, elle l'a pas dit. C'est comme ça. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Encore et encore et encore et encore et encore. On peut pas rester dans tout, on peut pas tout savoir. Cyril qui me demande si je prends des bénéfices sur Solana. Alors Cyril, il doit pas me suivre depuis longtemps, mais pourtant Cyril, je sais qu'il me suit depuis longtemps. Cyril, il doit savoir qu'avant 100$, je ne vends pas un seul Solana. Donc voilà. Là, on a dépassé la moitié du chemin. Sauf retournement de marché, sauf avis contraire, sauf je sais pas ce qui peut se passer. Il n'y a aucune raison de vendre du Solana pour le moment. On a cassé par le haut le range. C'est top. 100 minimum puis 200, dit James, tout à fait. Il y en a certains qui disent 500, mais moi j'y crois pas d'un point de vue mathématique compliqué. Jay-Z qui demande si on a la fin du bull run, On va peut-être attendre quand même qu'il soit 21h pour commencer à répondre à ce genre de questions, autrement je vais répéter 10 fois. Hey, salut Vince. Vince qui dit qu'il n'y a pas de tracas. C'est le but du jeu. On essaie de faire ça correctement. Prendre de l'oseille, correctement, calmement, sans prendre de risques, en préservant son capital. Gagner de l'oseille, c'en est une autre. Ne pas en perdre, c'en est une autre. Alors pour ceux qui seraient ou vont être peut-être en vacances dans le sud de l'Espagne, si vous venez sur Marbella, vous êtes les bienvenus. Après, je serai en Belgique 25, 26, 27 de ce mois, mai. Puis après ça, on verra, je dois aller sur Paris fin mai, début juin. Tout à fait, James, plein de projets autour de Sol, c'est un écosystème incroyable. Tu recommandes de taper combien en crypto pour que le VIP soit rentable? Ben, en comptant qu'on fait un minimum 20% par mois, et au plus haut on a fait 60%, ben, tu calcules hein, par rapport à ton capital. Si 50 euros, ben, ça doit être 20%, je laisse faire le calcul. Vince qui nous dit qu'il faut regarder le Pax Gold. Il y a plein de cryptos à regarder, j'ai toute une liste, il y a plein de choses à faire. Salut David, j'espère que tu vas bien. David, compatriote. Belge, Rupteur 2.0. Super le livre d'Olivier Seban, il se lit sans problème. Tout à fait, William. La base des bases à lire le livre d'Olivier Seban. Tout le monde mérite d'être riche, gratuit sur son site. Oui, Lucie, j'ai lu ton message. Ave Gochi, j'ai lu. Merci de ne pas le répéter 150 fois. Merci, je l'ai lu. J'ai noté. Salut Shérif, qui est nouveau dans la crypto. Welcome dans ce nouveau monde. J'ai quelques conseils à donner, quelque chose, quelques petits trucs à regarder pour bien comprendre où tu mets les pieds. Salut Jali, salut Jaja. Ça se connecte, ça se connecte. Merci Lucie. Je suis déjà riche de cœur, ça fait plaisir, merci. Allez,
On va commencer dans quelques minutes. But du live, là, c'est de faire une petite revue de marché public, répondre à vos questions. Ne me demandez pas mon avis sur 40 000 cryptos, ça sert à rien. Expliquer deux, trois petits trucs. Voir mon avis aussi, qu'est-ce que je pense sur l'avenir du marché des cryptos à court terme, en tout cas d'un point de vue analyse technique. De nouveau, j'ai pas de boule de cristal. Je trade ce que je vois. Ce que je ne sais pas, je ne le traite pas. On va regarder ça ensemble et je vais vous donner juste mon humble avis et sur ce que je pense. Tu vas parler du SHIB. On a acheté du SHIB, mais pour le moment, c'est pas top top. On va répondre à tout ça, Ratch. C'est clair, notre ami Elon, c'est un petit peu le Trump, mais sur la crypto. Il fait un peu bouger les marchés, pour le moment un peu comme il veut, en mettant ce qu'il veut sur Twitter. Mais bon, voilà, après ça, le marché rattrape, tu sais. Comme on dit, on achète la rumeur, on vend la news. Là, bon. Calma, calma, calma. On y va mollo mollo. On y va mollo mollo. On traite ce qu'on voit. On n'essaie pas trop anticiper et de pas être biaisé. En allant à Paris, tu t'arrêtes à Lyon. Non, Redouane, je ne vais pas à Lyon pour le moment, mais j'irai dans le futur. Voir mon ami Rodolphe. Rodolphe, pensez pour lui s'il me regarde, qui va pas bien du tout, qui est à l'hôpital, avec ses bébêtes, ses tumeurs dans la tête. J'espère qu'il va bien s'en sortir. Il a depuis un mois cloué au lit à l'hôpital. Je pense fort à lui. Quelqu'un de bien, Rodolphe. Voilà. L'oseille, c'est bien. La crypto, c'est bien. La santé, c'est très important. Je pense fort à notre ami Rodolphe, pour ceux qui connaissent. Allez, ça se connecte, je vois qu'on est déjà pas mal dans le live, ça fait plaisir de voir le soutien. Faudra quand même faire attention dans les semaines qui viennent, c'est un mois assez crucial, principalement pour le Bitcoin, d'un point de vue technique. Alors Rach qui me demande si l'influence de la Chine qui veut bannir les cryptos. Alors les cryptos sont déjà bannis en Chine, le minage est déjà banni, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Voilà, c'est un régime dictatorial. Ils veulent garder le contrôle sur tout. Voilà. Manu, merci à toi. Ça fait plaisir. J'ai reçu encore un témoignage vidéo, un truc de dingue. Malheureusement, je peux pas le montrer. Mais éventuellement, je vous ferai écouter. Cette personne qui m'a envoyé ça, c'est un truc incroyable. C'est quelqu'un que je connais depuis 2-3 ans et qui m'a envoyé un message là, la semaine. Je vais vous le faire écouter avant qu'on commence. Ça vaut quand même la peine. Faut juste que je le retrouve. Quelqu'un qui a suivi mes conseils et pas d'hier, pas début d'année, depuis déjà un peu plus de 20 mois et qui a appliqué la stratégie à la lettre et qui l'a maintenant passer à un niveau supérieur. Où est-ce qu'il est? Je le retrouve, notre ami. Où est-ce qu'il est? Eh bien, je le trouve même pas. Putain. Où est-ce qu'il s'est mis? Alors, attends que ça se connecte encore un petit peu. Le groupe LMH a créé sa blockchain. Oui. C'est principalement pour ce qu'on appelle de la non-répudiation. Donc, c'est pour vérifier l'authenticité de ce qu'il y a. Alors, voilà. Tac. C'est sur l'autre. Hop, hop, hop. Là, je vous fais écouter un message. Témoignage d'un client chez moi qui est là depuis dans le VIP, enfin dans toutes les formations que je donne depuis 24 mois. Écoutez ça. Salut Marc. Juste une belle pensée pour toi, une énorme gratitude. Je suis officiellement millionnaire en stablecoin. J'ai rangé une grosse partie avec le crack, mais ça y est, je suis millionnaire en stable et il me reste encore 6 ou 7 bitcoins. Donc c'est cool. Voilà, je t'embrasse, je pense à toi et j'espère te voir très vite. Ciao, gratitude, mon idole. Voilà.
Ça, c'est quelqu'un qui a investi un peu moins de 100 000 euros il y a 20 mois en suivant ma stratégie, même pas en faisant du trading agressif. Bah voilà, il a passé les 2M en 20 mois, plus ou moins de 20 mois, en trading vraiment très défensif, en regardant il y a 20 mois où on était, en regardant les chutes qu'il y a eu, etc. Voilà, ça donne toujours une idée de qu'est-ce qu'on peut faire en faisant un trading correct, maîtrisé et en sachant ce qu'on fait, et pas faire des all-in, pas commencer à mettre du levier comme des sauvages, en voulant devenir millionnaire avec 200 dollars, ça marche pas. Il faut viser le long terme, capitaliser, protéger son capital. Allez, on va commencer. À mettre la caméra. Petit disclaimer avant de commencer. Donc, s'il vous plaît, pas de spam dans le chat, pas de propos racistes ou d'avis politiques. Merci. On respecte la vie de chacun. Et je réponds aux questions, mais ça, je le ferai au fur et à mesure du live, ce cas-ci. Ce live n'est pas un conseil en investissement. Je présente ce que je fais et comment je le fais, et ce, à titre éducatif. Hello! J'espère que vous allez bien. Voilà, on est au mois de mai, on est au mi-mai, on approche de l'été, on sort du corona. Tout se passe bien. Pour le moment, en tout cas en Espagne, tout est ouvert. Donc c'est cool. Voilà, en France, je pense que tout va réouvrir aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. J'espère que tout va bien se passer, qu'ils vont pas commencer à refermer des choses et qu'on va pouvoir reprendre une vie normale. Alors, le but de ce live, bah, c'était déjà de faire un petit tour de marché, de voir ce qui se passe, de vous donner un peu mon avis sur ce qui se passe pour le moment, sur le Bitcoin principalement, parce que vous savez, le Bitcoin, c'est le maître. C'est le maître d'orchestre, c'est celui qui dirige tout. Bien que les dernières semaines, avec des nouveaux élans, énormément de projets qui sortent, des projets qui arrivent dans le top 10 en quelques heures. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que je regarde en même temps les questions-réponses. Et donc le Bitcoin, très important de regarder ce qui se passe sur le Bitcoin, sur les cryptos principales. Après ça, évidemment, il y a tous les altcoins, il y a le Solana, il y a l'ADA, il y a plein de choses qui sont occupées de bouger dans tous les sens. Après ça, il y a tout le monde non centralisé qui est dans le monde de la DeFi, où là, il y a encore beaucoup plus de choses à faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Pour info, petite erreur dans ta dépôt aux questions. Merci Nico, je vais corriger ça. Donc voilà, donc il y a 2 ans, n'importe qui aurait 2 500 000 sur la crypto. Ah bon. Calistan apparemment est millionnaire, donc super, je suis content pour lui. Tu regardais il y a 2 ans où on était, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est passé en mars avec la chute qu'il y a eu, et on en reparlera, mais bon, pas de souci. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, petite revue de marché. Bitcoin, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin, le maître d'orchestre en mensuel? Si on regarde un petit peu ce qui se passe, on n'a fait que monter février, mars, mois d'avril, grosse bougie d'indécision avec une mèche par le haut, une mèche par le bas. Puis ensuite, aujourd'hui, là, le mois de mai, gros avalement, retournement bien rouge, où on a cassé les plus bas. Donc là, on a tout défoncé pour le moment. Donc à voir ce qui va se passer. En tout cas, il reste 13 jours avant que la bougie ne ferme. On va voir ce qui va se passer. Mais là, pour le moment, on est dans ce qu'on pourrait dire une structure de retournement. Et donc, on va voir si ça va rebondir ou pas. Si je descends en semaine, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en semaine, on était dans un range. Soutenu depuis début février, et que ici, cette semaine, là pour le moment, hier, avant-hier, on a cassé ce range par le bas. On voit qu'on a des volumes qui sont pas encore énormes, énormes, mais la semaine n'est pas encore finie, forcément, on n'est que mardi, donc on ne peut pas juger. Mais en tout cas, ça casse par le bas. On va voir si je descends en journalier, on peut voir que il n'y a pas de structure de retournement pour le moment, en tout cas, à cette heure-ci. La MACD, zéro retard. Est bien, comment je veux dire, bien ouverte vers le bas. Les volumes sont légèrement en hausse au niveau des ventes. C'est pas non plus les grosses grosses ventes comme on a connues en 2017. Donc à voir ce qui va se passer. Ce qui est important à noter, c'est ce graphique-ci sur la dominance du Bitcoin. Donc quelle est la dominance en pourcentage du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait aussi que depuis le mois de janvier, on est en chute libre. Et surtout au mois d'avril, où il y a plein de gros projets qui sont sortis, eh bien on voit des mouvements de volume du Bitcoin vers d'autres crypto-monnaies. C'est ce qu'on peut appeler la alt season. Mais là, on arrive sur des niveaux très critiques au niveau de cette dominance. Et on arrive sur les plus bas de 2018. Donc voilà, donc ça c'est quand même important à noter. Et on voit que ça ne fait que chuter. Si on regarde en journalier, ça a stagné un petit peu. Mais là, on va de nouveau faire un plus bas. Donc vraiment à voir ce qui va se passer. On voit vraiment qu'il y a des transferts de flux. Vers les autres crypto-monnaies, vers les nouveaux projets novateurs. Et bon, à voir ce qui notre ami le Bitcoin va
rebondir ou pas. Là, en tout cas, pour le moment, en mensuel, c'est vraiment très dégueulasse. En semaine, la semaine n'est pas finie forcément, puisqu'on est mardi, il reste 5 jours. On va voir ce qui va se passer ici, en tout cas, encore aujourd'hui, demain, pour pouvoir prendre des décisions. En tout cas, pour le moment, moi, je suis toujours acheteur sur le Bitcoin, sur ces niveaux-ci. On en a racheté il y a 2 jours, on en a racheté encore un petit peu ce matin. On va voir ce que ça va donner. Si jamais ça casse violemment, on prendra les bonnes décisions par rapport à cet achat. Est-ce que c'est la fin du bull run? Je ne sais pas. En tout cas, si tu vois ça, pour le moment, il faudra attendre encore la fin du mois, 13 jours, voir ce qui se passe. Mais là, on est vraiment dans une structure de retournement. Et si tu regardes d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum, on est occupé de faire une très très grande mèche ici au-dessus. Donc, on n'a pas encore de structure de retournement rouge. Par contre, si tu descends en semaine, tu peux voir que là, on est occupé de faire des plus bas de plus haut, donc théorie de Dow. Donc pour le moment, en tout cas, c'est pas très beau. Mais bon, c'est pas encore dramatique, donc à surveiller, à voir. Il faut rester attentif et pas faire n'importe quoi. Faites attention si vous tradez avec du levier, pas faire n'importe quoi. Marceau Portier qui pose une question. Bonsoir, je vous suis sur Snapchat, vous parlez parfois de T1, T2. Donc c'est TP1, Target Profit, donc objectif de gain 1, objectif de gain 2. Ma question est, ne gardez-vous pas une partie de vos actions au cas où l'action s'affole? Tout à fait, ça dépend un peu d'où on est, dans quoi on est, si on est dans un range ou pas. Par exemple, Matic, j'aurais dû garder, je ne l'ai pas fait et c'est parti à la hausse. On était aussi dans un marché un peu particulier à ce moment-là. Donc voilà, mais en théorie, je mets entre 1 et 3 TP pour les objectifs. Avec en général ce que je mets TTM, donc to the moon, c'est-à-dire pas de TP pour essayer de rester dedans. Natum qui me demande qu'est-ce que je pense du VRA. Le VRA, je pense que c'est une bonne crypto-monnaie et qu'il faut en acheter sur des bons niveaux. Shiba, on va en parler plus tard. J'ai déjà 10 fois qu'on me demande le Shiba. Le Shiba, on en a en portefeuille, on en a acheté. Pour le moment, c'est pas le Pérou comme dirait l'autre, mais on verra ce que ça va donner sur le long terme, en tout cas sur le Shiba. Que penses-tu du ADA? Le ADA est une très bonne crypto-monnaie. D'ailleurs, on va faire un petit tour de marché. On va passer dans les différentes crypto-monnaies que j'ai dans ma liste et voir ce que ça danse, ce que ça donne. Tekken Elon, Pik Elon. Donc, oui, c'est une très bonne crypto-monnaie. Pikachu, je n'en ai pas en tout cas. Et le BNB, c'est une très bonne crypto-monnaie. Il y a le BNB Diamond, effectivement, aussi. Tu es toujours sur le Chili's? Oui, je suis toujours sur le Chili's sur du long terme. Est-ce que l'on doit vendre à la fin du bull run? Bonne question de Nermine. Alors, en fait, il y a deux stratégies par rapport à ça. Si on est sur des très gros replis, qu'on ne veut pas vendre ses cryptos, on peut faire ce qu'on appelle du hedging, donc avec des shorts en futur pour couvrir la perte du portefeuille, ou on ferme toutes les positions et puis on laisse dégueuler et on fait des shorts. Ce sont des stratégies différentes. Bon, après ça, on va voir ce qui va se passer, on prendra les décisions adéquates par rapport à ça. Mais c'est deux stratégies différentes. On fait de la couverture avec des shorts avec du levier, ou on ferme tout. Tu fais des formations sur Binance et Binance Futur. Alors oui, Massimo, on est principalement sur Binance et depuis peu sur KuCoin. Et Binance Futur, bah oui, le jour où on va commencer à shorter, on passera en futur. Que penses-tu du Lina? On en a. Tu penses quoi du VET? Le VET, très bonne crypto-monnaie à garder, de nouveau acheter sur des bons niveaux. Que se passe-t-il en cas de BTC en dessous de 40? Bah ça va continuer à chuter, accélérer, il y a de grandes chances. Penses-tu que Matic puisse avoir le même trajectoire que Solana? Bah là, ça a l'air bien parti en tout cas, Jérémy. Je ne sais pas, je ne suis pas voyant, mais je pense que oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une finance qui a dépassé le BTC en termes de prix? On s'en fout du prix, Melsom. Ce n'est pas le prix qui est important, c'est la market cap qui est très importante. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir un token qui vaut 4 milliards. S'il a une market cap de 10 euros, tu ne sauras rien faire avec. C'est très important de voir la market cap et non pas uniquement la valeur d'un coin. En sachant qu'on peut acheter des petits morceaux jusqu'à 7 chiffres après la virgule, par exemple sur le Bitcoin. Alors, c'est la fois aux questions. Casper, j'en ai pas en portefeuille. Quels sont les leviers à utiliser pour éviter de gros risques? Alors, ETHK qui demande ça, en fait, c'est pas la question n'est pas formulée comme ça. Si tu travailles du levier, tu dois absolument mettre des stop loss, c'est très très important. Et tu dois protéger ton capital. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu peux prendre un levier de 100 si tu veux, mais si tu mets un stop très court où tu perds par exemple 1% de ton capital malgré que tu as un levier 100, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est de maîtriser ton risque en utilisant des stop loss pour ne pas tout perdre. Je ne fais pas les ICO. C'est un autre métier. Les ICO, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup d'arnaques. Je n'ai pas le temps de faire ça. J'ai déjà assez à faire avec donc les crypto-monnaies. Les Belges sont-ils taxés sur les crypto-monnaies? Non, pour le moment, il n'y a pas de taxe sur les plus-values des crypto-monnaies. À part si c'est vraiment, tu fais énormément d'argent et que tu ne travailles pas, que tu es au chômage.
tu risques d'être requalifié en revenu principal. FTMU, je ne connais pas. Avagotchi, on m'en a déjà parlé. Lucie, j'ai bien compris. Lucie, tu me l'as déjà dit 5 fois, Lucie. J'ai très bien compris. Quel est ton TP sur CHZ? Alors, le TP sur CHZ. Ben, sur le CHZ, je n'ai pas de TP parce que c'est un investissement long terme. Donc, j'en achète régulièrement et je garde. Traites-tu avec du levier? Pour le moment, non. On fait que du spot. Ça va très très bien comme ça. Plus du lending. On arrive à faire des très belles performances sans levier. Le levier, on l'utilisera pour shorter avec un levier 2 par exemple. Le BNB est une très bonne crypto-monnaie puisque c'est celle de notre ami Binance. Ça a beaucoup d'avenir. C'est un super projet. Les petits points orange sur ton graphique TradingView, ce sont les TPE. Non, les petits points orange, ce sont des alertes. Allez, à quand les signaux sur KuCoin? Ben Florian, quand il y aura des opportunités, mon ami. Tu as ouvert KuCoin hier. Tu croyais que j'allais donner sans alerte pendant la nuit? Là, j'attends de nouveau des opportunités sur UOS. T'inquiète pas, ça va arriver, mon ami, mon Florian. Le Solana a gardé. Oui, le Solana a gardé. On vise toujours 100 et puis 200. ETH, t'en penses quoi? Je pense qu'ETH, pour le moment, il ne faut pas rentrer dedans, il faut être prudent, il faut regarder où est-ce qu'on va. Si on regarde en journalier, pour le moment, voilà, on arrive sur un petit support ici, aujourd'hui. On va voir ce que ça va faire dans ce petit support, vraiment très très léger. C'était un tout petit range, et voir ce qui va se passer si ça casse par le bas ou si ça rebondit. Donc je dirais, il faut attendre pour le moment d'avoir une structure de retournement correcte. Donc avoir des indicateurs techniques plus une structure de retournement graphique pour éventuellement en racheter. Mais là, pour le moment, donc on a hier, pardon, pendant la journée, on avait cassé à la hausse ici avec cette bougie verte 4 heures l'oblique descendante. Puis là, on a tout redégringolé pour refaire de nouveau les plus bas. Donc là, ça faisait un beau triangle. Mais pour le moment, bah, c'est plus le cas. Donc on va voir ce que ça va donner. De rien, Manu. Matic, on peut pas en acheter pour le moment. Matic, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop haut. Il n'y a pas de repli. Donc voilà, il faut attendre d'avoir des replis. On a fermé, j'aurais dû garder. Parfois, on fait des erreurs dans la vie. Après ça, on ne peut pas tout savoir. Donc voilà, là pour le moment, il n'y a absolument rien à faire sur Matic. Si vous achetez maintenant, vous achetez des plus hauts. Il faut attendre d'avoir un repli et avoir des niveaux corrects pour acheter Matic. Alors, Soufiane qui a dit Yep, formation et VIP sur les cryptos, trading court et long terme. Je sais pas qui c'est, Soufiane qui a dit. À mon avis, on fait de la pub pour d'autres personnes. Je ne sais pas très bien de quoi on parle, c'est pas grave. Ada, regardez aussi, oui. TradingView, ça va trop vite. TradingView, c'est payant ou gratuit? Il y a une partie gratuite, Nico. Puis après ça, si tu veux avoir plus de fonctionnalités, il faut passer en payant. Avis sur risque, j'en ai pas. Nexo, stacking en USDT, c'est 100% safe, il y a du risque. Non, Nexo et tout ça, tous les outils de stacking de ce type-là. En monde centralisé et donc ce qui est expliqué dans ma formation, il n'y a pas de risque. Bonsoir Marc, les TP, tu les mets grâce à Fibo? Non, pas du tout, Steve. Fibo était utilisé par après. C'est des niveaux de résistance technique plus des niveaux historiques et des convergences sur plusieurs unités de temps. SafeMoon, tu penses toujours que c'est de la daube? Oui, je pense toujours que SafeMoon, c'est de la daube. J'ai donné des plans dessus. On avait acheté tout en bas, j'avais des TP, on avait vendu tout en haut. Mais pour moi, SafeMoon, c'est toujours de la daube, effectivement. Benzema en équipe de France, t'en penses quoi? Alors là, moi, je suis pas du tout en foot, mon petit Dylan. Pas de but, mon petit Marc. Je réponds à sa question sur ton VIP. Ok, pas de souci. Ça, j'ai hâte de te rentrer à Bruxelles avec plaisir. Les shitcoins où il faut se méfier, Mathieu qui me demande. Je n'en sais rien, les shitcoins, je ne fais pas. Theta, le vois-tu à 100 $? Theta, 100 $, je ne pense pas, non. Faut regarder, je regardais la market cap et regarder faire une évaluation. Mais c'est compliqué parce que c'est une nouvelle technologie. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Mais 100 $, je pense que ça va être compliqué. XRP, t'en penses quoi? Ben, XRP, c'est un très beau projet dans lequel je ne crois plus. Parce qu'il n'y arrive pas. Maintenant, après ça, ça monte, ça descend. Il y a de la spéculation. Il y a des on-dit sur que maintenant, eux sont occupés de se retourner contre la SEC, etc. Donc, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, par rapport au projet de base pour remplacer le réseau interbancaire mondial, c'est pas le faire.
Un avis sur Polkadot. Le DOT très très bien, le ARK très très bien aussi. Très très beau projet. Que penses-tu du Solana? Va retracer vu la cassure à la hausse. J'ai revendu à 48, pensant à réinvestir sur la zone des 42. Petite erreur. Ben, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que vu comment ça a cassé et comment ça tient les 50, je ne pense pas que ça va retracer. Je pense que si ça retrace, ça va retomber sur les 50. À voir. Je ne passe pas ensuite pour le moment. XRP, je viens d'en parler. Salut Marc, je suis dans la V1 de Mouton. La V1N de Mouton, tu vas développer dans la V2 des stratégies de farming, stacking, VOMB pour earning du cake ou autre, il y a du pognon à se faire seulement. Oui, tout à fait, Samuel, mais ça sera prévu dans autre chose. Pour toi, combien faut-il investir pour faire environ 1000 euros par mois de bénéfices? Bah, tu calcules, Alexandra, si tu veux faire 1000 euros, dans le pire des mois, je fais 20%, dans le meilleur des mois, 70 ou plus. Bah, tu regardes, hein, 20% pour faire 1000, je te laisse faire le calcul, de qu'est-ce qu'il te faut comme capital. Le VET est-il corrélé au BTC? Ben, on va pas répondre à la question très simplement. Regardez, je vais vous montrer un petit truc pour répondre à ce genre de questions. Vous mettez le BTC ici, sur TradingView. Posez pas 10 000 questions, là je regarde plus le graphe pour le moment. Et vous avez ici un petit bouton Compare. Vous cliquez sur Compare et vous mettez par exemple VET USDT. Voilà, ici, bim. Et là, en fait, on peut comparer les deux. Donc là, je prends le VET ici, je fais ça, je fais pas. Line, je fais candles, et là en fait, donc je mets ligne, on va mettre line, excuse-moi, line, et là en fait, on peut comparer, c'est parce que j'ai mis beaucoup de trucs, alors, je suis un peu con là, avec tous mes tracés, j'arrive pas à zoomer, bref, j'arrive pas à zoomer, mais là en théorie, parce que j'ai fait de la merde, tu peux regarder et comparer les deux, j'arrive pas à zoomer, je sais pas, j'y arrive pas, bref. Mais là, tu peux comparer. Par exemple, là, si je mets le Bitcoin, attends, si je mets ligne ici, line, mais il veut pas dézoomer. Ah, ça s'appelle toujours l'effet démo. Voilà, il est là. Hop, hop, hop. Et en fait, si je retire tous mes indicateurs, pour répondre à ta question, c'est une question intéressante. Regarde, tac, 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 tac. Le VET, et qu'il est le VET? Il est plus bas. Merde. Bon, ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça foire. Bref, mais en tout cas, tu peux comparer. Normalement, ça doit fonctionner. Ça s'appelle l'effet démo. Tu peux comparer en tout cas les deux sans aucun problème dans TradingView avec ce genre d'outils. Bon, là, j'ai fait de la merde. Ah ben voilà, là, on peut comparer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à virer les autres. Mais notre ami Bitcoin est en noir. Donc là, en noir, tu as le Bitcoin en fait ici. Et puis là, en fait, tu as le VET. Donc tu peux regarder s'il y a une corrélation. Et si tu vois, plus ou moins, ça a l'air de se suivre, effectivement. Donc oui, le VET a l'air d'être corrélé, de passer au-dessus, en dessous du Bitcoin. Voilà comment faire ce genre de choses dans TradingView. À l'arrache. Mais voilà, au moins. Hop, j'essaie de montrer ça. Il y a toute une partie de la formation qui est consacrée à TradingView. On fait ça calmement. Alors, attention, ça vole dans tous les sens. Félicitations pour ta crypto, MMA, merci. Stacking Nexo ou Celsius, une préférence? Les deux. As-tu un avis sur le XVS? Non. Putain, les mecs, ça part dans tous les sens là. Alors, nom du type sponsor, je sais pas c'est quoi. Tu as du Lina, tu le vois aller jusqu'où et quel est ton objectif dessus? Oui, j'ai du Lina. Je compte garder ça en investissement long terme. Donc pour le moment, malheureusement, c'est pas la meilleure crypto du monde. Mais voilà, on tient les plans. Et moi je le vois en tout cas, je pense arriver à 1 $ minimum. Salut Anthony. Merci Adna. Connais-tu le Travana? Non, je ne connais pas le Travana. Si BTC chute, on vend tout. Catherine, on prendra les bonnes décisions au bon moment. En tout cas, pour le moment, on est exposé à 4% sur le Bitcoin. Ça retrace. On est en perte, je pense, on doit être en perte de 0,04 ou 0,5% sur le capital total par rapport au Bitcoin. Donc on reste calme pour le moment, il n'y a pas d'excitation à faire. On prendra les bonnes décisions en temps et en heure. Voilà, moi j'ai investi pour 4000 USDT dans le Bitcoin, on a 3975, ou un truc comme ça de mémoire. Donc pour le moment, il n'y a pas à se tracasser ou autre mesure. On reste concentré et on regarde ce qu'on voit. Avis sur DNT, je ne connais pas DNT. Patience et suivre les plans. Exactement, patience, persévérance. C'est Pascal G. Strikefest, venu te faire un petit coucou. Super tes vidéos. Beaucoup de succès à toi. Merci en tout cas, Pascal. Ah, c'était John Rail. Ah, ouais, d'accord. Ah, salut Pascal. Salut Pascal. Ah, putain, Pascal, ça fait plaisir.
Là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que quand je reviens en Belgique, on pourra se capter. Quels sont les critères pour choisir une crypto à long terme? Tout ça, on voit dans la formation. Il faut faire de l'analyse, voir les projets qu'il y a derrière. Après ça, regarder les fondamentaux, tout ce qui est market cap et ce genre de choses, et puis y aller. Prochaine grosse résistance sur le BTC. Alors, résistance, la dernière qui est là, hein. Donc la zone des 60 000, si tu parles d'un support pour acheter plutôt. Prochain support, c'est dans les 32. 32 ou 38, à voir. Mais il faut voir à quelle force ça va descendre. Ah, et Cédric Dubois qui reconnaît Pascal Ganzeman. Apparemment, je pense, effectivement. Bonsoir, nouveau dans la crypto. Quel est le stablecoin que vous recommandez? Quelle est la différence entre USAT et BUSD? Alors, ce sont des cryptos qui sont dans des régulations différentes et qui ont été émis par des organismes différents. Tu as l'USDT, l'USDC, tu as le BUSD, tu as le PAX, pas le PAX, ouais, tu as le DAI, enfin, il y en a plein des crypto-monnaies stables. 10K Ethereum, tu crois? Je ne pense pas. OMMI, c'est une très bonne crypto-monnaie, oui. Dogecoin, une crypto à éviter. Alors, Dogecoin, bonne question. Pour faire de la spéculation, why not? Garder long terme, je ne pense pas. Donc là, si on regarde en journalier notre ami le Dogecoin, on voit que pour le moment, ça retrace. S'il fallait en racheter du Dogecoin, en tout cas, moi, ma zone d'achat, elle se situe ici, dans cette zone-ci, donc autour des 0,40. Si on retourne dans les 0,40, je rachèterai du Dogecoin sur une structure de retournement. Donc, j'appelle la structure de retournement, c'est tout ce qu'on apprend dans la formation chez moi. C'est savoir pourquoi et quand on achète, en ayant une convergence d'indicateurs techniques, plus de configurations chartistes, support, résistance, etc., etc., pour essayer d'avoir une quasi-certitude pour pouvoir rentrer en position et viser des objectifs. Quelle est la crypto-monnaie avec le plus fort potentiel sur le long terme? Je ne pense pas qu'il y a une crypto-monnaie avec le plus fort potentiel sur le long terme. Moi, je pense par exemple que le Bitcoin va aller à 100 000, 500 000 et sur du très long terme à 1 million. Le jour où il y aura les 21 millions seront émis. Donc, ben, je ne sais pas si en passant de 42 000 dollars à 1 million, c'est beaucoup de potentiel. Ben, le Bitcoin a beaucoup de potentiel. Le Solana qui peut viser 200 minimum, je pense, a beaucoup de potentiel. Le Theta a beaucoup de potentiel. Voilà, le SRM a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de crypto-monnaies avec beaucoup de potentiel. Le Chili, je pense, c'est quelque chose d'avenir aussi. Donc voilà, l'Omni aussi, c'est quelque chose avec de l'avenir. L'OMG aussi. Il y a pas mal de cryptos qui ont beaucoup d'avenir, mais sont dans des domaines différents et des blockchains d'intérêt différentes. Donc oui. Donc voilà. J'ai répondu à la question sur l'Ethereum. Alors, Dylan, qui est super sympa, il fait de la promotion pour ce que je fais. Donc moi, qu'est-ce que je propose? Petit mot par rapport à ça. Donc moi, je propose des formations. Donc ça s'appelle le site, c'est sur le site MMA Patraka. Je propose des formations dans lesquelles vous avez accès à tout un espace membre, dans lequel donc vous avez accès à tous les replays, la formation, etc. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble ici. Voilà l'espace membre. Ça, c'est l'espace membre de la formation. Donc vous avez différents chapitres. Par exemple, comment sortir du système bancaire. Gérer ses crypto-monnaies, les wallets, comment ça fonctionne, etc. Le lending, les différents types de lending. Voilà comment faire tout un système complet pour sortir de votre banque traditionnelle en ayant des taux d'intérêt jusqu'à plus de 30%. Après ça, tout ce qui est trading en utilisant de la crypto-monnaie pour faire du trading classique sur du forex, des indices, etc. Tout ce qui est des bonus sur le stacking, les lexiques, comment sécuriser votre wallet. Comment acheter de la crypto-monnaie à partir du cash. Et là, on part sur la formation V2 avec les différents modules que je fais en live chaque semaine. Et puis après ça, il y a donc tous les slides, tous les replays avec les différents modules. Ben, voilà, donc il y a l'introduction à la blockchain, l'introduction à l'analyse technique, la mise à niveau par rapport à ceux qui étaient dans la version 1 pour la version 2, tout ce qui est banque en ligne avec les nouvelles banques en ligne qui existent, le trading, introduction à une notion de base sur les marchés financiers, actions, etc. de façon de base, l'analyse technique. Représentation des prix, tout ce qui est indicateur technique, le chartisme, et puis après on continue sur tout ce qui est tactique, stratégie, la psychologie, gestion de portefeuille, optimisation fiscale, etc., etc. Après ça, vous avez aussi accès à tous les replays de tous les lives que je fais avec les revues marché qui se trouvent ici. Voilà, ça a un peu mal à s'afficher. Donc tout ça est aussi mis en replay, etc., etc. Tout ça est donc dans la formation. Après ça, vous avez aussi accès à une feuille Excel où je reprends tous mes trades avec le suivi toutes les trades de toutes les positions que je prends. Puis après ça, vous avez accès bien sûr au canal Telegram Elite, dans lequel donc ici je donne tous les plans, les suivis des plans. Donc par exemple ici, voilà, l'achat, les TP, etc.
sur quelle crypto-monnaie des opportunités, je donne des informations, il y a des vidéos, etc., etc. J'explique un tas de choses. Ça, c'est tout ce que je propose. Chaque fois, j'explique pourquoi je rentre, comment, etc., les zones, etc., etc. Donc, tout ça est mis dans le groupe Telegram où je partage énormément d'informations en tout genre, les suivis des plans, les plans, etc. Donc, chez moi, il y a trois stratégies d'investissement. Il y a du long terme, il y a du moyen terme et il y a du court terme. Donc, après ça, si vous voulez faire du long terme, bah, vous suivez uniquement les signaux long terme. Et après ça, il y a les deux autres catégorie de signaux. On fait ça principalement sur Binance et depuis peu sur KuCoin. Ripple, j'en ai déjà parlé à nombreuses reprises, tu verras dans le replay. Et comme je disais, je n'y crois plus en cette crypto-monnaie, mais tout est possible. Ils sont occupés de réattaquer la SEC par rapport au procès qu'ils ont. Sinon, notre pépite 2021, vous la connaissez tous, Solana, je ne vous la présente plus. La communauté a commencé à en acheter avec moi à partir de 1, 10, 1, 16 dollars. Là, on a cassé le range à la hausse. On a passé les 50, 54 avec une pointe à 57. Donc voilà. Moi, je vise 100 puis 200. C'est une crypto-monnaie qui va. Un écosystème. C'est une crypto-monnaie, une blockchain, un écosystème qui va révolutionner tout ce qui est le monde de la crypto-monnaie. Un des projets, par exemple, sur Solana s'appelle SRM, qui est une super crypto-monnaie, un super projet derrière qui permet de porter n'importe quelle crypto-monnaie, par exemple, dans la blockchain Solana. Si vous cherchez sur Internet, vous allez voir, il y a d'immenses projets et un écosystème qui est en expansion permanente autour de ça. J'ai répondu à de nombreuses reprises sur le Shiba. On va voir ce que ça donne. Alors, Theta, par exemple, crypto-monnaie d'intérêt dans tout ce qui est stockage de données multimédia haute définition, qui va être utilisé par Twitch et par donc YouTube, qui est une super blockchain, un super projet. Donc voilà, ben, au moins on en rachète, on garde ça à long terme, par exemple. Huma aussi, qui est une super bonne crypto-monnaie dans le monde du gaming, poker en ligne, etc., e-sport, si je me souviens bien, qui est top de chez top. UOS aussi, qui est dans le monde du e-sport. UOS qu'on a acheté, qui se trouve sur KuCoin et qu'on va racheter. Là, on est sur un super support. Donc, si vous voulez par exemple acheter de l'UOS ici, à la cassure de l'oblique ici, donc sur les 0,43-0,44, une fois que ça sera validé, moi je vais en racheter. Les alertes sont mises, vous voyez. Chaque fois que j'établis mes plans, je mets mes alertes. Après ça, quand ça se déclenche, on y va. Par exemple, après ça, on me demande à plusieurs reprises le VET. Le VET, si on regarde le VET rapidement, ben, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, mes niveaux sont déjà tracés. On voit qu'on avait un beau support ici qui a été travaillé à de nombreuses reprises. Et encore une fois, pour le moment, qui a été cassé à la baisse hier. Où on a essayé de réintégrer le support aujourd'hui. Pour le moment, ça n'a pas été. Pour le moment, ça ne va pas réintégrer. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les heures qui vont venir. Mais si on réintègre le support, que ça valide et qu'on a différents indicateurs qui croisent vert, plus une reprise des excès qui ont été faits. Pourquoi pas rentrer sur le VET par exemple sur les 0,17-0,18. Salut Marc Bondil, t'en penses quoi? Bondly, je connais pas. Centrifuge, je connais pas. Merci Anthony, en tout cas je vois que ma communauté fait ma propre promotion dans mon cas, dans mon live, ça fait super plaisir en tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vous remets le lien en tout cas de ce que je propose si ça vous intéresse dans le chat, il y a le message est épinglé aussi. Donc voilà, mais simplement, ceux qui sont dans le live et qui sont dans la formation, qui sont dans le groupe Telegram, qui prennent les signaux, etc., ben exprimez-vous, dites ce que vous pensez de ce qu'on fait. Et puis voilà, je pense que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Et c'est ceux qui sont dedans, qui sont dans le live, qui sont là dans la formation, qui sont dans le groupe Telegram. Donnez votre avis, dites ce que vous pensez aux différentes personnes qui sont dans le live YouTube. Jordan, j'ai déjà répondu 5 fois à Ethereum. 5 fois, j'ai déjà répondu. Je t'invite à regarder le live. KuCoin, je pense quoi de cet exchange? Ben, c'est un bon exchange complémentaire à Binance pour après donner des trades sur des petites crypto-monnaies comme UOS, etc., qui ne sont pas encore cotées sur Binance. Moi, j'utilise KuCoin depuis très très longtemps. Merci Cyril. Merci, merci. Alors, Rachid, toutes tes cryptos ne sont pas en baisse. Je t'invite à regarder. Tu verras qu'elles ne sont pas toutes en baisse. Il y en a qui sont à la hausse, mais elles suivent le Bitcoin et le Bitcoin est à la baisse. Manique, non, c'était une vidéo sur l'expatriation. Ouais, on fera ça en live privé. On fera ça en live privé. Merci Florian. Merci, merci, merci. Donc, pour répondre à la question, que toutes les cryptos se cassent la gueule, c'est pas le cas. Si tu regardes, t'as Matic qui a pris 50%, SNX, Solana, etc., qui montent bien.
ENJ, ça fait un mois il baisse. Oui, tout à fait. ENJ, pour le moment, il n'est pas en forme. De nouveau, c'est pour ça qu'on fait de la gestion de portefeuille et de la gestion de position. Il est en baisse, mais il est toujours. Il a cassé son support. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir si ça repart ou pas. Puis après ça, on prendra les bonnes décisions. Mais ça peut faire un excès comme la mèche, ça fait ici, puis repartir. Qu'en est-il du GRT? GRT, je n'ai pas en portefeuille. Voilà, Vega, j'ai répondu à ta question sur l'ENJ. Merci Marc, j'ai 20 ans et tu me donnes envie de tout arracher. Super Léo, c'est ça qu'il faut faire. Ne rien lâcher et toujours rester motivé pour atteindre ses objectifs. Et il faut vous fixer des objectifs. J'ai eu peur de l'inconnu, j'ai misé 650 $ plus les 49 euros de vie pendant un mois. Et j'ai x3 du coup. Go direct V2 et c'est un mois pour commencer. Super, bienvenue Dylan. Il aura, Marc, est-ce qu'il aura une V3 si. Oui, les membres de V2 ont-ils accès? Alors, il n'y a pas de V3 qui est prévu. Si je fais une autre formation, ce sera quelque chose de complètement séparé et autre qui sera complètement dans le monde décentralisé, qui n'aura rien à voir avec cette formation-ci, parce qu'il y a énormément de choses. Moi, je suis dans tout ce qui est décentralisé avant qu'on appelle ça DEX, qu'on appelle ça aujourd'hui, avec principalement Uniswap, depuis que ça existe. Il y a énormément de choses à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'arnaques, il faut faire très attention, tout sécuriser, donc ça se prépare. Peux nous tenir au courant sur le groupe gratuit Telegram pour le VET, s'il te plaît, c'est urgent. Yes, il n'y a rien à faire sur le VET pour le moment, donc il n'y a pas de, il n'y a pas à dire quoi que ce soit sur le VET d'urgent. Je suis désolé, je ne fais pas du conseil privé à certaines personnes. Voilà, j'ai mis une alerte, ça part à la hausse, je te dirais qu'on pourra en acheter, mais là pour le moment, il n'y a rien à faire sur le VET. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, je peux rien dire d'autre que ça. Solana à 1000 putain dollars, Marcus. Oh, on va jamais y arriver à 1000 sur le Solana, c'est pas possible, c'est pas possible. On se calme, on se calme. Après ça, pour les nouveaux qui ne comprennent rien à la crypto-monnaie, qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne comprennent pas la blockchain, etc., je vous invite à regarder. Il y a deux beaux reportages, enfin un reportage qui se trouve soit sur Apple TV, soit sur YouTube. Ça s'appelle Banking on Bitcoin. Je vous mets les liens dans le chat. Si vous voulez apprendre et comprendre à quoi ça sert la crypto-monnaie, la blockchain, et pourquoi c'est le futur, et surtout pourquoi c'est le présent, je vous invite à regarder ça. Soit sur YouTube en anglais ou soit sur Apple TV en anglais sous-titré en français. Vous allez comprendre la genèse de la crypto-monnaie, d'où ça vient, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le système monétaire mondial est peut-être un peu branle-ballant, et pourquoi il faut diversifier et investir dans les technologies de la blockchain et de la crypto-monnaie. Après, sur ma chaîne, je vous invite à regarder. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques vidéos, je pense, qui sont pas mal et assez intéressantes. Si vous êtes père de famille ou ce genre de choses. Par exemple, là, j'ai fait des petites vidéos. Comment créer un patrimoine digital dès aujourd'hui? Les 3 erreurs à ne pas faire et rendre vos enfants millionnaires à 18 ans. Donc voilà, ça, c'est des choses à regarder, je pense, qui peut être intéressante pour vous pour préparer le futur de vos enfants avec des petits investissements de façon régulière. Entre la naissance et 18 ans, il y a quand même une grande période qui s'écoule, pas mal de mois qui passent, pas mal de lunes qui passent. Et je pense qu'on peut faire créer des beaux patrimoines digitaux pour vos enfants et créer un patrimoine que vous allez pouvoir leur céder. Tu montes quand à Paris? Normalement, fin du mois, début juin. Je serai sur Paris. Paris. Alors aussi, petite info, tant qu'on y est dans les infos et le partage, si jamais vous cherchez des informations sur les crypto-monnaies, je vous invite à regarder un site qui s'appelle CryptoPanic. CryptoPanic, c'est pour moi, c'est la référence pour tout ce qui est news sur la crypto-monnaie. Voilà. Vous pouvez regarder, je vous mets aussi dans le chat. Je vous invite à regarder ça. Vous pouvez vous abonner. Il y a une version gratuite, il y a une version payante, mais c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder, vous pouvez filtrer, vous pouvez faire des recherches sur Solana. Par exemple, vous tapez ici SOL. Voilà, SOL. Et vous pouvez regarder Solana, les news sur Solana, qu'est-ce qui se passe sur Solana, pourquoi, comment, etc. etc. Vous avez toutes les informations graphiques ici, etc. etc. Voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment. Pas mal, c'est bien pour trouver de l'information sur les crypto-monnaies. QTUM, je ne connais pas. Quelle est la plateforme, meilleure plateforme pour moi? Alors, je ne pense pas qu'il y a une meilleure plateforme. Je pense qu'il faut en avoir plusieurs si on veut vraiment un spectre complet. Donc, moi, j'utilise Binance, j'utilise FTX, j'utilise BitMEX, j'utilise Bitstamp, j'utilise KuCoin, j'utilise des DEX. Voilà, j'utilise plein de plateformes différentes pour faire un environnement complet. Après ça, je vous conseille de commencer avec Binance. Et KuCoin, avec ça, vous avez déjà un spectre assez large que pour faire de l'investissement. Après ça, il y a toutes les plateformes de lending. Tout ça est expliqué aussi dans la formation. FTM, oui, FTM est un très bel écosystème aussi. Notre ami ici, Phantom. Tac-tac. Du Phantom.
et du Phantom. Pour le moment, on n'en a plus en portefeuille, mais on en a eu pas mal pendant longtemps. Et on va certainement en racheter quand on va arriver sur des niveaux plus intéressants. Est-ce que je fais du Forex? Alors pour le moment, je ne fais pas de Forex. J'en ai fait énormément. J'ai des stratégies d'investissement sous le Forex qui marchent vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué dans différents lives en privé, dans la formation. Welcome to Paris, merci Samy. Dans quel site je peux créer une crypto-monnaie? Alors ça marche pas comme ça, Quincy. C'est un peu plus compliqué que ça. Entre créer une crypto-monnaie et qu'elle soit régulée et que tu peux l'utiliser, c'est un peu différent. Ah, salut Marc, est-ce que c'est possible de commencer avec un capital de 500 $, 500 euros? Oui, tu peux commencer avec 500, 500 euros. Malheureusement, tu vas pas pouvoir tout prendre. Tu vas pouvoir prendre une centaine, ouais, une cent, dizaine de trades, pardon, une dizaine de trades, 10, 15 trades en parallèle. Parce que c'est minimum 20 USDT pour prendre un trade sur Binance. Algorand, très bon projet. Marc, tu as quel âge? Si c'est pas indiscret, me demande Florian. J'ai 42 ans. Je suis né en 78. Merci Dalou, ça fait plaisir. Pour être certain, dans les signaux que tu envoies, tu mets le SL quand le TP1 est atteint ou ça dépend. Tout à fait. Donc toujours qu'on atteint le TP1, on met toujours le stop loss pour protéger les gains, on met le stop loss au cours d'entrée. Toujours, 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 toujours. Voilà. Alors, on me demande EGLD. Tu penses quoi des graphes EGLD, USDT, EGLD, BTC? Alors moi, je vous déconseille de faire des paires croisées. Il faut toujours partir d'une crypto-monnaie stable pour prendre une qui est volatile. Autrement, vous allez avoir des gros problèmes parce que vous devez regarder les niveaux des BTC et les niveaux de l'EGLD décorrélés pour savoir quand acheter et quand vendre. Je vous déconseille de faire des paires croisées. Partez toujours de l'USDT. Et si on regarde le GLD-USDT, on voit qu'on est sur un super support ici. De nouveau, avec des excès, reprise d'excès chaque fois, réintégration chaque fois, une fois, deux, vous voyez, plusieurs fois, tac, tac, tac. Et là, ici, vous voyez, j'ai mes petites lignes orange. J'ai d'ailleurs mon plan qui est déjà prêt. Je ne sais pas si vous voyez là ma petite ligne PE, prix d'achat, pour ceux qui connaissent, prix d'entrée, 156. Donc là, quand ça va partir à la hausse, que mes alarmes vont sonner, eh bien, je vais prendre mon plan qui est déjà préétabli et je vais acheter dans les environs des 156. Je ne sais pas encore le niveau exact, mais ça sera dans ces eaux-là. Je vais acheter là, sur la cassure d'oblique aussi. Si vous voyez ici, il y a une oblique baissière, donc un canal descendant. Voilà, si je fais ça et que je duplique ceci, bam, ici, clone, hop, je le prends, je le déplace là. On voit que l'on est dans un canal descendant. Dès qu'on va casser le canal descendant et comme par hasard, on arrive dans la zone du support, bam, ici, vous voyez, dans cette zone plus ou moins ici, hein, baf, voilà, orange, c'est pas une bonne idée, on la met en noir, tac. Eh bien, quand ça va rebondir, qu'on aura un retournement, un croisement, reprise d'excès, etc., etc., et qu'on aura X indicateurs, convergence, structure de retournement, blablabla, on va en racheter de l'EGLD. Voilà. Voilà. Tu trades avec combien de dollars? Bah, pardon, je viens de taper dans le micro. Bah, répondre à la question, c'est pas compliqué. Ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure où je suis sur les réseaux sociaux par accident, donc j'ai commencé 40 000. Avec 40 000 dollars mois de janvier quelque part. Puis j'ai fait 40 120 TD, j'ai retiré, j'ai acheté une voiture, un machin, etc. Et là, ici, donc j'ai plus retiré, j'ai pas retiré le mois passé. Le mois passé, on a fini à 160, 158, je pense, de mémoire. Et là, ce mois-ci, ben, 158, 190. Donc voilà, donc ça c'est mon compte actuel avec tous les trades que je prends donc dans le groupe Telegram. La même chose que vous, avec les mêmes stop loss, avec les mêmes allocations, donc 1%, 2%, 3%, 0,5%. Et là, on va arriver tout doucement à 200 000 dollars. Donc en un mois et même pas un mois, donc en un mois et 18 jours, on aura fait un 100% sans risque, avec pas de perte en tout cas encaissée pour le moment. Certes, on a certaines positions qui sont en perte pour le moment, mais avec des pourcentages d'allocation qui sont très faibles. Et donc, ça ne pose aucun problème. Comment s'appelle ton indicateur de tendance, s'il te plaît? Bah, des moyennes mobiles. Je ne sais pas, Jordan. Qu'en est-il du Kava? Je ne connais pas le Kava. Ada, trop, tout à fait. Tu penses que le AVAX, et tu le vois combien? Je ne suis pas AVAX. Voilà. Donc, ça, c'était le petit live du jour, avec réponse aux questions, réponse. Réponse aux questions, pardon. Il est 9 h 40. J'ai rendez-vous avec mes amis pour aller boire un coup à 22 h. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, qu'est-ce que j'offre comme service encore et encore? J'offre un VIP Telegram à 49 € par mois, donc 1,50 € par jour. Donc pour 1,50 € par jour,
vous allez gagner de l'argent, mais surtout pas en perdre, et savoir comment vous allez gérer ça. Donc ça, c'est ce que je vous propose. Qu'est-ce que je mets dans le groupe Telegram? Je partage tous mes signaux de trading, les suivis de position, une feuille Excel qui reprend toutes les positions. Je partage ma liste. Je fais des revues de marché toutes les semaines. Je fais des réponses à toutes les questions. Tout est transparent, tout est ouvert, etc. Quand ça ne va pas, on regarde, etc., etc. Il y a un suivi complet. Ça, c'est pour 49 euros par mois, 1,50 € par jour. Après ça, il y a la formation avec 12 mois d'abonnement au Vip Telegram dans un package complet à 999 euros que vous pouvez payer en 5 fois ou 3 fois. Donc, vous avez accès à la formation complète où je n'y connais rien dans la blockchain, dans la crypto-monnaie, pour arriver à comment sortir du système bancaire, faire de l'investissement, du placement, faire du lending, arriver à faire de l'analyse technique, d'analyse de marché, analyser les structures de retournement, savoir comment prendre des positions, le suivi des positions, l'optimisation fiscale, la psychologie, etc., etc. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire soit de l'investissement calme, ou arriver à faire du trading pur et dur, et savoir être autonome. Voilà, tout ça est en live, tout ça avec des replays, tout ça avec plein d'informations que je partage dans les canaux Telegram, dans l'espace membre, etc., etc. Donc j'essaie de faire une offre complète en partant de zéro à être autonome pour ceux qui le veulent. Donc vous avez 1,50 € par mois, jusqu'à 999 euros, vous pouvez payer donc jusqu'en 5 fois une formation complète, je pense, de qualité. En tout cas, personne ne s'est plaint jusqu'aujourd'hui. Et s'il y a des plaintes ou des choses à améliorer, eh bien, je l'améliore. Donc voilà, ça c'est tout ce que je propose. Voilà, on est 324 en live. En pic, on était à plus presque 400. Ça fait super plaisir, en tout cas, de vous voir présent et fidèle au poste. Si vous aimez mon travail, vous savez, sur YouTube, la rémunération, entre guillemets, c'est faire un petit like, un pouce vers le haut si vous avez aimé. Si vous n'aimez pas ce que je fais, vous mettez un pouce vers le bas. J'ai aucun problème. Mais si vous n'aimez pas, laissez-moi un commentaire dans la vidéo sur ce qui est amélioré. Les commentaires constructifs sont toujours les bienvenus. Je ne suis pas parfait et je suis toujours là, prêt à m'améliorer. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que les gens qui sont dans la formation, en tout cas, n'ont pas de regrets. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Après, ça, on me pose la question, mais Marc, pourquoi tu fais tout ça? Ben voilà, moi en fait j'aime bien partager ce que je fais, j'aime bien partager ma passion. Les marchés financiers, la crypto-monnaie, c'est ma passion. Je viens du monde de la sécurité informatique et le monde du trading. Je suis dans les marchés financiers, dans le trading depuis 2001, dans une société qui s'appelle aujourd'hui Engie. La sécurité informatique, je la connais très 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 bien. La combinaison des deux, ça fait la blockchain, la crypto-monnaie. Moi c'est ma passion, j'adore. On gagne de l'oseille et moi j'aime bien expliquer aux gens pour qu'on progresse ensemble et qu'on gagne chacun ensemble de l'oseille de façon honnête et, comment je vais dire, responsable. Sans cramer son capital, sans promettre monts et merveilles, je ne fais pas d'affiliation, il n'y a pas à déposer des 1000 euros à des machins, etc., etc. Chez moi, ce n'est pas gratuit parce qu'il faut rémunérer montage vidéo, le support, etc., etc. Puis moi, si je passe mon temps, c'est clair que c'est quand même aussi cool de gagner de l'argent encore, même si on en a déjà. Et puis voilà, simplement, c'est du partage et que tout le monde progresse ensemble. Donc, si ça vous a plu, faites un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas ou une petite crainte. En tout cas, prenez soin de vous. Faites attention et si vous investissez, s'il vous plaît, ne mettez pas de levier, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas de all-in, allez pas sur des crypto-monnaies à la con de merde ou je sais pas quoi. S'il vous plaît, faites attention, préservez votre capital. L'argent, c'est dur à gagner. L'argent, il faut le respecter et il faut surtout le traiter correctement et l'investir de façon correcte sur du long terme. Voilà, c'est ce qu'on fait en tout cas chez moi dans mon groupe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous et à bientôt. Allez, merci, ciao.